Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode 2. Touché. Mais tu vas te nourrir, oui. C'est la nouvelle série, tu vas te nourrir. De Far Cry Primal, pardon, excusez-moi. Je pensais plutôt à Robocraft, mais il faut que j'évite de redire ça, faut que je perde l'habitude. Donc on reprend notre quéquette vers les Zizi là. Je la referai plus jamais cette blague, je suis désolé. On doit aller buter des Zizi là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'étang piqué. C'est l'étang piqué. Apparemment, il y a quelque chose à y trouver. Apparemment, c'est par là. Non ? Je l'entends par là. Ramasser le bracelet, mais il est où? Là, d'accord, bah je le voyais pas du tout. C'est pas la peine. Je ne le voyais pas. Prochaine récompense plus, hein. Bah écoute, s'il y a une récompense, tant mieux. C'est dans une heure. Ok, casse-toi. C'est pas le mien. Parfait, vas-y, bouffe-le. GG. Tiens, bouffe. Je pourrais que tu te noies autour de l'autre ours, ça serait pas terrible. Le cannibalisme, c'est pas mon truc. Ok. Hop. 100 d'euros, parfait. On trouve des objets rares. Par contre, la minimap pixelisée comme ça, c'est terrible. Hop, on est à 300 mètres. C'est pas la peine de monter sur l'ours. Il y a un campement juste à côté, si c'est pas génial. On pourra récupérer des choses. C'était pas prévu. J'ai sans doute cassé ma flèche. C'est pas grave. Hop. Tout ça c'est full, ou presque. Ok, bon. Oula, là je récompense. Ah bah attendez, y a une aide. Celle-là, la cueilleuse ajoutera de nouveaux objets tous les jours dans sa faute. Et même des objets rares avec l'amélioration 2. D'accord, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On a des choses à confectionner. On a même le village à modifier. Apparemment. Et des points de compétence à ajouter à des endroits. Peau d'ours des cavernes, argile du nord. D'accord, je peux tout faire en fait. Ok, c'est parfait. Compétence, on a combien de points? On a 5 points. Je peux en mettre 2 ici. Et après, on va pouvoir mettre avoir le sprint illimité. Ça peut être pratique. Voilà. Là, on a le sprint illimité. Si ça, c'est pas epic. Si ça, c'est pas OP, chers amis. J'ai vu qu'il y avait un arbre dans le coin. On va bourrer les flèches. Oula. Bourre-le. C'est pas la même taille. Vous voyez qu'il va se donner la peine de lui monter dessus. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Non, nourris-toi, vas-y, je t'en prie. Là, c'est un petit ours, tu peux le manger. Mange-le. Tu te nourris, mais ça... Tiens, mange. Ok. Hop. Récupère de quoi faire des branches, enfin faire des flèches plutôt. Voilà. Les flèches, c'est la vie. C'est d'une discrétion. J'entends des choses. Hein.
Cependant, on va tomber sur des Isilas maintenant. Et les Isilas sont des saloperies normalement. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Qu'est-ce que c'est qui a fait bizarre? La moitié, c'est un bruit bizarre ça. Bon. À votre demande, je vais prendre le tir à dents de sabre pour le soi-disant discrétion, mais vous pouvez voir que niveau discrétion, il a que 3. Hein. Oula, je me trompe de bouton. Hop, voilà. Alors. Nous sommes avec notre ami. Ah ah, des cendres. Parfait, on y va. Les Winja capturés. Protéger les Winja des envahisseurs. Non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Pister les Winja capturés. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est déjà mieux. Du sang par là. On est déjà full. Il y a une bête rare par là-bas. Bon, ils sont passés par là. C'est pas dur, il suffit de suivre les parties cramées. Il y avait... Il y avait une saloperie. Regardez ça. Voilà. Ça c'est fait. Donc c'est bien par là. Ah la vache, c'est quelqu'un de cramé. Pauvre mec. Oh char. Pour Tachisla. Arme de feu, des flèches. Par là apparemment. Oh putain. J'espère que vous êtes résistant au feu parce que je vais vous faire payer ce que vous avez fait à mes amis. Ils se cachent dans une grotte. Remarque, s'ils possèdent une bonne capacité d'utilisation du feu, c'est logique qu'ils puissent se mettre dans des grottes. Ah, cela me semble logique en tout cas, moi. Oh la vache. C'est glauque. C'est glauque. C'est par où? C'est bel et bien par là. Hein. Ah, il passe pas en dessous tout seul. Alors, cette bête ne veut pas vous suivre là-bas, vous pourrez la rappeler plus tard dans le menu bête. Pister les Wenja capturés. Ah, je peux pas prendre l'ours, d'accord, donc là c'est tout seul. Hop. En fait ça va, mais c'est pour l'immersion. Ouais, j'aime pas cet endroit. Remarque, c'est vrai que les Zoudam, c'est mieux. Hein. Il va se faire égorger. Ah non, même pas. Ils vont faire tomber le cadavre dans la flotte. Oh la vache! Elle aime le faire souffrir. Oh la violence. Ah, elle a du respect pour les Wenja? Obéissant, non, c'est des esclaves, d'accord.
Moi, j'ai cru qu'elle allait me voir. Si, Shaugas. Ice charge on social lines. On va quand même passer par en dessous. Hein. Hop. Hop, cueille la fleur bleue. Ouais, on a des ennemis puissants. Allons-y. Il y a du poisson. Allez, faut qu'on respire. Hop. Commencer à grimper. D'accord, intéressant. Il y avait pas une continuité par là? Je suis curieux de voir les deux chemins. Je suis curieux de voir les deux chemins. D'accord. On s'est trompé de zone. Si notre animal revient, c'est qu'on s'est trompé de zone. Bon. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Nous avons des gens à sauver. Et alors ? Oui, d'accord, t'es sur un... D'accord. Faut trouver le point adéquat. Ah, puis la nuit qui se lève. Ah, la nuit qui tombe, plutôt. C'est mieux. Hop, on y va. En silence. En silence. Hop. Quoi? Elle a prévenu des gens? Oh, je suis vraiment mauvais avec un arc. Bon. What? Ok. On retombe dans l'eau. Et on mange dans l'eau. Ils vont me perdre. C'est chiant la cascade. Ils vont me perdre. Hop. Putain. Ah. Ils font mal. Nom de Dieu. Comment ça se fait qu'ils font aussi mal? Qu'ils fassent aussi mal ou qu'ils font aussi mal, je ne sais pas. J'ai envoyé ma chouette. Bah d'accord. Et venez, sautez! Sautez, bande de nazes! Il y en avait un juste là, mais c'est quoi ce bordel? Comment ils peuvent faire aussi mal? Bah, on retombe sur la gueule, celle-là. Non, c'est bon! Et de 1,
cadavre qui vient de tomber. Allez, viens. Tiens, bouffe. Deux, deux. Vous savez quoi, on va bourrer. Il y a l'autre trou du cul là avec son. Tu vas crever, oui. Oh la vache. Oh la vache, vous avez vu le coup qu'il met? Le bourrin que c'est celui-là. Vas-y, mais bouffez-le! Putain, mais il m'attend à chaque fois en plus. Oh là 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 là. Ce mec est une saloperie. Attendez. Tiens, vu que t'aimes bien les flammes. Qui m'attaque? Attends, 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 faut que tu l'armes. Oh là là! Tiens, bouffe. Mais c'est bon, je t'ai vu. Hop, voilà. J'ai gâché une flèche, mais c'est pas grave. Oh la gueule! Ces ennemis sont des saloperies. Soyons honnêtes. Wouah! Tiens, brûle. Brûle. Voilà. Libérer des Winja, ils participeront au combat, mais encore faut-il les trouver. Hein. Hop. Pas venir m'aider? Pas venir m'aider. Ils me voient plus. Ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. C'est plutôt une bonne chose. Hop. Non, tu ne me verras pas. Hop, tu ne me verras pas. On va continuer à incendier au fur et à mesure. Hop. Voilà.
Merde. Tiens, bouffe. Merde, des renforts. Hop. Oh la vache. Tiens, bouffe. Vous voulez du feu? Tiens, bouffe. Non mais oh. Dégage. Hop. Qu'est-ce que tu fais avec ma bestiole, toi? Oh merde. Hop. Tuez tous les Isila restants. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne dedans. Putain, ils ont des... Oh la gueule, ils ont des échelles. Enfin, des échelles propres, quoi. Hop. J'ai vu du bleu. Hop. Il en reste encore apparemment. Quitter le camp. Ah non, c'est bon. Il en reste plus. Non, moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, chers amis. Hop. Puis j'ai envie de libérer les prisonniers aussi. Ah bah merde. Mais là il vient d'avoir des masses des prisonniers aussi hein. Nom de Dieu. Putain, y'a que du verre. Mais non, y'a personne là. Regardez ça, y'a que du verre. Putain, ils se sont libérés. Génial. Ils se sont libérés tout seuls. C'est presque dommage. Bon. Bon, bah écoutez. Alors un campement difficile, les ennemis malheureusement je trouve très dur à buter. Très bien organisé, remarque. Ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Sur qui on va tomber? La chef. Oh, ça fait mal. Oh putain. Oh, ça fait mal ça. Oh. Ok, ça c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. What the... Qu'est-ce que... Il a acheté de la viande dans le trou. Bonjour madame. La peinture, ça vous va bien. Ça c'est pas dit. Je veux pas savoir ce qui est touche quand elle me tient comme ça. Oh mais pousse là là. Hop dans le trou. Bonne réponse. Bonne réponse.
Winds away. Arthur. Je m'appelle pas Arthur, hein, pourtant elle m'appelait Arthur. Arthur, mais non, je m'appelle pas Arthur. Je m'appelle Takar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Échapper aux flammes. Hop là. Allons-y. Allez. On y va. Je suis libre. Hop. Ici, hop, peau de cerf blanc, bien sûr. Peau de lion noir. What? Deux trucs rares dans un pauvre petit sac. Attends, il y a de quoi respirer là. Tiens, ça me dit quelque chose cet endroit. Ah, c'est dommage, j'aurais bien envie d'aller les voir. Juste pour les en... Bref, vous avez compris. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir moins de trucs à confectionner. Ça m'inquiète. Si seulement je pouvais sortir par là. Par là, c'est pas possible. Ah ah! Je me suis fait avoir une fois ici, mais pas deux. Pas deux, pas deux, pas deux, pas deux. Hop. Maintenant, je retourne vers le village. Effectivement, ça vaut mieux. Les Winja capturés. Ok, on a des ennemis de taille là. Autant les Houdam sont faciles parce qu'ils te rushent, autant eux te cherchent et t'attendent. Vous avez pu voir, hein. On a deux types d'ennemis complètement différents. Il a des disciples. Il a des disciples. C'est intéressant ça. Quoi, petit? Sushelheim be winja salwata. Mas brastari. Sha you guarsta. Shajan, Sushelheim's watcher. Some winja huhinacha. Battery. Hasta. Sustugistar. Charda hapuri. Ah, il est épique. Battery. Winja si dahisna damsha daha. Udanasu. Ah, des marées, on n'a pas encore vu. Sam brasti. Battery waidam. Sadwis waidam. Sustugistar. Purbi janha. Pur tanhi. Sasam. Snar dagwa. Upaila buha guarpeti. Machi battery. Madeta. Bon. Bon, 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 on a des ennemis de taille. On a des ennemis de taille. Et ça ne me plaît pas. Affronter leur commandant. D'accord. D'accord, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'améliorer un petit peu le village. J'ai vu qu'on pouvait normalement améliorer une partie du village ici. J'aimerais que ce soit fait, qu'on puisse en terminer avec ce... Il manque une peau de blaireau. Oh merde. Tout à l'heure, il m'a affiché comme c'était bon. Hop. Ok, bon. Ok, j'imagine que j'ai pas de peau de blaireau dans le truc. Merde, il me faudrait une peau de blaireau. Où est-ce qu'on trouve des blaireaux sur la carte? Blaireau, cité champion. Ok. Ok, tu m'aides pas. Ok, ça m'aide pas. Je crois qu'il faut que je sorte un petit peu du village pour en trouver. Tu veux bien m'afficher les bestioles? Chasse. Voilà. Blaireau, blaireau, blaireau. Là. Là, il y a un blaireau. Chasse au blaireau, difficile. J'en ai pas dans le coin. Un autre endroit avec des blaireaux. Là. Et là, j'aurai à avoir un lieu. Oui et non. D'accord. J'aimerais en trouver un assez rapidement. Où est-ce qu'on peut voir des blaireaux? Des blaireaux, des blaireaux, des blaireaux, ici.
mais ça me dit pas où est-ce que je peux aller le chercher. Bon, bah, je vais aller là. Je vais descendre. On va aller le chercher, chers amis, le blaireau. Il nous faut absolument une peau de blaireau et c'est important. C'est malheureusement extrêmement important. J'en profite pour récupérer mon tigre à dents de sabre. Je remets vite fait blaireau pour pouvoir bien l'afficher. Voilà, chasse au blaireau. Crac. On y va. On y va, on y va, on y va. Et on y va à pied parce que là on en a vraiment besoin de notre tigre à dents de sabre. Il me semble qu'on va... Non, c'est des alliés. Ah tiens, ça les verrouille. C'est bon. Je savais pas qu'on l'avait débloqué. J'ai complètement zappé qu'on l'avait débloqué ce truc là. Marquage ennemi. Ah bah voilà, on l'a pas marqué. On va le débloquer parce qu'on en a besoin. C'est extrêmement important, vous avez pu le voir. On se perd, on retrouve pas les ennemis, même si c'est très réaliste. Ils vont bien s'arrêter pour tirer. C'est un tigre noir. Non, c'était pas... Valeur. Bizarre. Il fuit, il préfère fuir. C'est étrange. C'est bien de celui-là qu'on aurait besoin. Ah non, c'est un jaguar noir, nous. Lion noir, ça c'est un lion noir, d'accord. On va nous le bouffer. Hop, bouffe-le. Bon, vision du chasseur, on aura besoin d'un commande, d'un blaireau là-dedans. Alors. Oh bah lui il est con. Merci. J'étais puce. Alors vas-y, nourris-toi, t'as raison, c'est une bonne chose. Bon, oh bah il l'a tout fait en même temps, il l'a soigné, il l'a... Oh, il y a une grotte. Des dolls. Les dolls ne m'intéressent pas. Un loup. Là, il y a un truc bizarre. Symbole étrange. Symbole étrange. Moi j'aimerais trouver un blaireau s'il vous plaît. Mais il n'y a pas une bestiole qui repère les autres bestioles. Marque les animaux. Ah putain, je l'ai pas. Le léopard. Enfin, allez en chercher un alors. Donc là ce sont des ennemis. Et je ne vois aucun blaireau. Il me faut un blaireau, chers amis. Ce sont des loups. Il y a un tigre qui chasse. Il y a un tigre qui chasse. Ce qui effraie. Ah, ça se trouve, est-ce qu'il chasse que la nuit? Non, parce qu'on est croisé en plein jour. On est croisé en plein jour. Ok. Couché. Sale bête. Hop, lion des cavernes blanc, hurra. Oh là là, y a pas de blaireau. Y a pas de blaireau. Alors si j'envoie le mien et que je le tue et que je le ressuscite, ce serait peut-être un... Ce serait du glitch, je reconnais. Ok, il l'a eu, GG.
attaque-toi cette saloperie. Comment il gueule. Il est parti. Non, même pas. Vas-y, attaque. Attaque-toi la grosse bébête. T'es nul. Ah, pour t'attaquer aux humains, t'es balèze, mais... Attends voir. J'aime pas cette bestiole. Bon, c'est un peu violent. Oh la vache, il va me buter. Hop. Dégage. Parfait. Quoi? Non. Il a ressuscité, c'est vrai, il ressuscite tout seul. C'est vrai, j'avais complètement zappé. J'ai tapé pour rien. Ah oui, c'est bon. Fais pas chier. Hein? Merde. Trouve-moi un de tes confrères plutôt. C'est des bruits de dol. Vas-y, chope la bestiole. Putain, mais tu sers à rien. C'est des copains. Et niveau blaireau. Moi, c'est un blaireau que je veux, putain. Oh, quelle horreur. Tout ça pour trouver une peau de blaireau moisi. Ne crains pas le feu, particularité apprivoisable, récompense peau de blaireau. Donc c'est bien ça que je veux, moi. Il est bien censé être dans le coin, pourtant. Hein. Mais on n'en trouve pas un seul. Une dole à la con. Tais-toi, je cherche un blaireau. Sanglier. Cochon. Putain. Non, c'est le mien. Fais chier. En plus, c'est le buté qu'il faut que je passe. Là. Couché. Putain, on l'a trouvé. Dis-moi que tu donnes une peau de blaireau. Parfait, génial. Hop, demi-tour, chers amis, on rentre au village. Oh, la gueule, la chasse au blaireau. Allez. Oui, ça y est. Oh, tellement de choses au menu, comment à la base, qu'on peut plus téléporter dessus. Waouh, la chasse au blaireau, quoi. Le bordel que c'est. Hop, ça donne quoi, ça? Si ça me donne rien, ça va pas le faire. Si c'est juste visuel, ça va pas le faire. En tout cas, tout le monde a l'air content. Récompenses, c'est tout. Et c'est tout. Je vais me pendre. C'était tout. Votre raison de chasseur fait désormais apparaître les seuils de ressources. Cette amélioration peut aussi pour votre chouette. Nanana, apparaître les plantes. D'accord. Ok, un moine feuille. Fouille automatiquement les cibles en raison d'une exécution. Ok. Chouette plus souvent.
Résistance au feu, double bombe à feu, exécution par le feu. Bombe à feu, d'accord. Maître du feu, vous n'avez plus besoin de graisse animale pour enflammer vos armes. Si vous enflammez une arme, toutes celles que vous équiperez ensuite s'enflammeront automatiquement. Voilà, vos armes pour éteindre à tout moment, d'accord. Ça, c'est complètement intéressant. Exécution au couteau. D'accord, oui, ça, je me rappelle ce que c'est. Exécution enchaînée. D'accord. Ok, pourquoi pas. Ouais. Ça par contre c'est intéressant. Ça c'est clairement intéressant. Je vais devoir mettre des points là-dedans et je vais vous avouer que ça m'embête. Un point et quatre points derrière. Oh là 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 là. Et le village, qu'est-ce qu'il faut que je confectionne? La hutte de Woga, niveau 2. Bah écoutez, on va aller le faire. Il est juste là en plus. Notre manchot au couteau. Je me brûle au passage. Manchot au couteau, c'est parfait. On fait le niveau 2. Et voici donc sa maison. Et il a des copains en plus. Et par contre, il a un gamin avec lui, ça me fait très très peur. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Nos patrouilles dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va mettre quand même un point ici, histoire de nous assurer que nous soyons donc prêts à recevoir une barre de vie supplémentaire. Vous voyez à quel point les Isilas nous ont fait des dégâts rapidement. Ça va être extrêmement important d'en avoir, je pense. Il faudra aussi qu'on mette plus de choses dans les commandes, dans les sacs. Pourquoi? Simplement pour qu'on puisse s'assurer qu'on va avoir la quantité de choses intéressantes qu'on mérite dans nos poches, c'est-à-dire pouvoir faire peur aux ennemis, comme vous avez pu le voir avec les abeilles. C'était très très pratique, ça nous a vraiment sauvé la mise. Et aussi peut-être améliorer notre gros sac. Ressources pour les armes et nourriture x2, ça va être une nécessité aussi. Donc bien, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et on va prendre ça aussi, ce sera fait, hop, voilà. Comme ça on a l'aptitude tir rapide. Encochage et tir très rapide, voilà. Salut les gens.